Ne marronnez pas, je le fais pour vous. En ce qui concerne Trillionaire Prono, sachez que le tirage s'effectuera vendredi. Le tirage au sort sera effectué au sort, bien entendu, et vous gagnerez une PS4. Pour participer, et si vous regardez cette vidéo avant le vendredi, n'hésitez pas à le rajouter sur Snap, il s'affiche juste en haut. Dites-lui que vous venez de la part de Kamoff, et parmi l'un d'entre vous, quelqu'un sera tiré au sort pour gagner une PS4 toute neuve. Rien ne vous oblige à le rajouter, mais profitez-en, c'est gratuit. Et en parlant de gratuité, sachez que mon ami Une Vie, qui est également mon frérot, il joue avec ses abonnés, et en plus de ça, vu que c'est un bon plan, il fait gagner des V-Bucks. Tous les jours, il y a un tirage au sort, donc c'est un bon plan également. Maintenant, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. Donc, j'espère que vous serez tiré au sort. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Bientôt j'ouvrirai vos colis dans une vidéo et en direct. Donc n'hésitez pas, il reste peu de temps avant que je les ouvre. Je les ouvrirai sûrement en décembre pour Noël. Envoyez-les à l'adresse suivante qui s'affiche juste en dessous et je les ouvrirai tous. Si vous voulez apparaître dans la vidéo, si vous voulez que j'ouvre votre colis dans une vidéo, si vous voulez passer dans ma vidéo et avoir votre dédicace, n'hésitez pas à envoyer vos colis à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo inattendue, une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire. Une femme d'une trentaine d'années nous a contacté pour qu'on espionne son mari car elle avait des doutes sur sa fidélité. Bien entendu, cette histoire ne nous concerne pas, mais vu le désespoir de cette fille, j'ai voulu lui rendre service. Nous avons donc récolté le plus d'informations concernant son mari avec qui elle est fiancée depuis bientôt 2 ans. Nous sommes donc allés sur le lieu de son travail en attendant qu'il finisse pour voir où il allait se rendre. Et vous verrez par vous-même qu'il ne s'est pas rendu à l'endroit où il devait être. Je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est réellement passé. Et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour une petite conclusion. Voilà les amis, je vous présente mon cousin. Et aujourd'hui, j'ai fait appel à lui parce que dans la vidéo que vous allez voir, il a pris sa voiture, il m'a accompagné, il a suivi quelqu'un en filature. Enfin, vous allez voir la vidéo. Jojo Corsou, je le mets juste en dessous là. N'hésitez pas à le rajouter en masse parce que franchement, sans lui, à l'heure d'aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire cette vidéo et on n'aurait pas pu rendre service à la fille qui s'appelle Aurélie que vous allez voir dans la vidéo. Voilà les gars. Alors aujourd'hui, ben, on est avec Aurélie et Lobifen qui est avec nous. Donc en fait, t'as un mec, c'est ça? Voilà. Et ton mec, ça fait combien de temps que t'es avec lui? 2 ans. Parce que je le vois plus trop à la maison, il est pas là, il est tout le temps en rayonnement, il travaille tout le temps. T'as l'impression qu'il te cache des trucs? Voilà, c'est ça, il me montre rien, il cache des choses. D'accord. Bon, alors je comprends que t'aies des doutes, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'apparemment ce soir, Cédric, il devrait sortir entre 23h minuit du travail. Et on va attendre le moment où Cédric sortira. S'il rentre chez toi, tant mieux. S'il commence à aller quelque part, on le suivra pour voir où il va et avec qui. Donc les gars, on va attendre dans la voiture, on va aller sur le lieu où travaille Cédric et on va attendre tout simplement. A tout à l'heure. Quoi, c'est lui? C'est lui ou quoi? Oui, c'est lui. T'es sûr Aurélie, c'est lui? Oui, c'est lui. Okay. C'est ça. Et on essaie de le suivre dans la voiture. Allez, bon. C'est parti. Aurélie? Oui. Il est censé faire quoi là? Normalement il doit travailler. Normalement il doit travailler? Ouais. Il devait faire quoi, une réunion, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. D'accord, et la réunion elle devait durer jusqu'à quelle heure, tu sais ou pas? Jusqu'à tard. Il a souvent des réunions? Ouais. Il y a trop de réunions, c'est pas normal et... il a changé. Il a un planning, il a quelque chose, tu le vois qu'il a des rendez-vous? Non, il monte pas ses planning. C'est possible qu'on trouve quelque chose de louche, attention. C'est possible que tu le découvres avec une autre femme, comme c'est possible que tu le découvres qu'en fait il est vraiment en réunion. Mais s'il est vraiment en réunion, il ne serait pas sorti maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? Il fait quoi? Est-ce qu'il est sur le chemin de la route, de la maison? Là non. Là il est plus sur le chemin de la maison du tout? Non. Donc là, théoriquement, toi tu crois qu'il est en réunion. Et là il est dehors en voiture et tu sais pas où il va. C'est ça. Donc t'as bien fait de nous appeler. Mais vu les deux hôtels qu'il y a ici, je pense pas qu'il va aller travailler en face dans un bureau, tu vois. Putain, il va où là? Il est sérieux? Là, ce que je vois, il va à l'hôtel. Il travaille à l'hôtel? Ben non, pas du tout. Déjà un code, il a déjà une réservation, ça veut dire. Alors, dès que tu vois une place, garde-toi, mais te garde surtout pas à côté de lui. Voilà. Ok, vas-y. On se garde là, attends qu'il sorte. Donc là, ce qu'on va faire, je vais attendre qu'il sorte de la voiture, on va faire vite. D'ailleurs, il est en train de sortir. Ne lâche pas de la caméra, s'il te plaît, Arnaud. Ne lâche pas de la caméra, vas-y, vas-y. Tu vois? 106, je crois. 106? Je crois, ouais. Putain, on a la chance, c'est la 106.
C'est soit tu pars maintenant et tu sais quoi faire, soit tu vas absolument savoir qui y a derrière ça et on fait ça. Bah non, maintenant que je vous ai appelé, je vais aller jusqu'au bout et je veux voir avec qui il est. Tu veux qu'on aille dans sa chambre? Ouais, voir avec qui il est. Ouais. Essaye de garder ton calme, quoi. On va monter, on va aller à la chambre, on va taper room service, dès qu'il ouvre, on rentre. Ok, la chambre, elle est... On arrive près de la chambre. Tu les entends? Bon. Je tape. Je vous servis, je rentre, vous rentrez direct après, d'accord? D'accord. Oui, c'est bon? C'est bon, oui. C'est le room service. Bonjour. Ah, on attend. Une caméra et tout là. C'est pas le room service. Michel, viens. Mais comment, mais qu'est-ce que tu fais là, René? Qu'est-ce que tu fais là, René? Putain, il y a une caméra. Hé, pourquoi une caméra? Hé, pourquoi une caméra? C'est quoi ce délire? Mais t'es qui toi? Écoute, je dois te dire quelque chose. J'arrive pas. C'est quoi toi, quoi là? Mais allez, moi j'aime Michel, toi là. Voilà, mais on pourrait un peu l'autre. Voilà, ce que je veux te dire, c'est que j'ai changé de bord, tu comprends ou pas? Je savais pas comment te le dire. Avec la famille, j'ai beaucoup ta mère. En gros, quoi, tu le satisfais pas, quoi. Donc c'est moi qui te satisfais, quoi. C'est vrai. Donc voilà. Avec Michel, je prends un plaisir que je retrouve pas avec les femmes. Mais toi, regarde bien, toi. Tu vois, tu as pas voulu me le dire. Ouais, t'as attendu qu'elle vienne me dire les choses. Attends, Michel, je t'expliquerai. Y a rien à expliquer, moi, je te le dis, moi. Y'a rien à expliquer du tout. Là, et quoi, et toi, c'est bon, toi, tu vas pas être en train de parler avec lui parce que, attends, il y a des choses qu'il m'a pas dit, moi je voudrais savoir des choses. Maintenant, moi ce que je cherche à comprendre, c'est que cette pauvre fille, qui apparemment ça fait 2 ans, elle a une bague de fiançailles qu'apparemment toi t'as pas non plus. On faisait même plus l'amour, voilà. Ça fait 2 mois qu'on fait, ça fait 2 mois qu'on baisse plus, Aurélie. Je suis avec Michel. Fallait me le dire, non, fallait me quitter. Tu broies du noir, de toute façon, tu fais tout le temps comme ça, ta vie, toi, elle est droite. Elle est comme ça. Je veux juste comprendre. Cette pauvre fille, elle nous a appelé. Apparemment, ça fait 2 ans que t'es avec elle. Elle a une alliance au doigt que toi, apparemment, tu ne portes pas ou tu ne portes plus. Je suis plus amoureux. C'est voilà. Pas ton problème. Ok, moi, c'est pas mes histoires. Je suis venu, je filme parce qu'elle me l'a demandé. Et ça m'étonne que tu sois surprise. Tu le savais au fond de toi, quand même. Je le savais. Bah oui, tu savais très bien. Ah, voilà. Bien sûr, en plus avec un homme. Mais bien sûr, je le savais, oui. Apparemment, tu trompes ta femme qui est ici présente. Fait tromper. Tu vas bien la peine sur le lit avec une position qui est assez gênante. Ne me dis pas que tu n'es pas en train de la tromper, c'est qui ce mec alors? Michel, c'est qui lui? Ben moi c'est mon plan cul quand même. C'est mon plan cul. Mais pourquoi je suis que ton plan cul, Michel? Ben ma foi, je crois. Attends, donc pour toi je suis qu'un plan cul, c'est ça? Ben non, c'est Michel. Mais attends, pour moi ça n'a rien à voir avec Aurélie, moi la vie c'était noir et blanc, hein, coussi coussa, alors qu'avec toi Michel c'est plein de couleurs. Si, c'est les arcs-en, c'est... Pourquoi tu rigoles, toi? Si tu es homophobe, c'est ça en plus. Qui en plus, là? Mais vous allez pas honte, monsieur, avec cette caméra, là. Qu'est-ce que tu fais, toi, mais... L'intimité des gens, non, mais... Regarde, je suis pas là pour régler les histoires de couple. Attends, Aurélie. T'as ta réponse? Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec Aurélie? Tu fais quoi? Donc toi, t'étais pas au courant que lui avait... C'est pas moi qui devrais être comme ça. Attends. Non, mais oui, c'est toi qui devrais être dans cet état, c'est pas toi. Oh, mon poteau. C'est pas parce que tu t'es fait cramer, nous on a rien, on n'est pas des homophobes, on n'a rien contre les homosexuels, y'a pas de problème. Parce que ça vous plaît de gâcher la vie des gens? On gâche pas la vie des gens. Et vous faites quoi? Vous faites quoi là? On gâche pas. Moi je suis pas d'accord avec toi. Cette femme, elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de savoir que tu la faisais cocu. Que lui, laisse-moi parler. Que lui, ça soit un homme ou une femme, on s'en tape. On s'en fout. Ça la regarde à elle et à toi, on s'en fout. Et lui aussi, je sais pas ce qu'il fait. Vous imaginez que maintenant. Mais moi vous me rendez pas service, voilà, vous me gâchez la vie. Vous me gâchez la vie parce que moi, avec Michel, on avait prévu de voyager. Mais là il dit que je suis quelqu'un cul pour lui parce qu'il est déçu, Michel, c'est normal, désolé Michel. Sérieux là, c'est en train de m'agacer tout ça là. Je vais vous demander de partir parce que vous êtes en train de m'énerver là. Toi aussi tu vas prendre tes affaires et rabis-toi, reprends tes affaires. Reprends ta voiture, va-t'en. Michel, retourne, va avec elle. Mais je veux pas retourner avec Aurélie. Moi, maintenant, voilà, j'ai choisi mon camp. Elle entend? C'est les couleurs. Le camp des couleurs. Pas du noir et blanc comme cette femme-là. Tu es irrespectueux. On est tout seul dans ton lit. J'étais pas là, le lit. J'étais pas dans ton lit le soir. Nous, on va partir. Vous faites absolument ce que vous voulez. Tu veux rester là, toi? Donc, moi, ce que j'ai à te dire, c'est que je reviens sur ça. Cette femme, on lui a rendu service. Elle savait pas que tu l'as trompée avec quelqu'un d'autre. On t'a rendu service, oui ou non? Le bûcher, vous méritez, vous monsieur, vous méritez le bûcher, voilà. Homophobe, là. Je te croise, vol. On n'est pas homophobe du tout. Bien au contraire, on est pour la légalité de tout le monde. Michel, entre nous avant de partir. Je vais pas vous poser une question. Dites-moi. Est-ce que c'était un bon coup? Mais vous prenez pour qui là? Allez, ça va bien, ensemble, c'est bon. Au revoir, Michel. Allez, ensemble. Ça ne regarde pas, ça ne regarde pas. Allez, ça ne regarde pas. Aurélie, on se casse vite. Allez.
Là, ce qui s'est passé, c'est une jeune fille. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Que ce soit un homme ou une femme. Le lac chiguier, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, voilà, après tu t'attendais pas à ce que ton homme soit homosexuel ou bisexuel. Voilà. On va rejoindre mon cousin dans la voiture. Eux, je sais pas ce qu'ils sont, ils sont même pas sortis. On va partir. Et on se retrouve à la fin pour les internautes à la conclusion. Dites dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'on a rendu service à Aurélie? Laissez votre avis dans les commentaires, dites oui, non, expliquez pourquoi. Je vais mettre un sondage aussi dans la communauté. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Alors c'est vrai, il n'y a pas trop de morale, il n'y a pas trop de sens à cette vidéo. C'est plus un service qu'on a rendu à Aurélie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons Snapchat et Instagram. C'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Si vous voulez nous suivre 24h sur 24 et 7 jours sur 7, c'est le meilleur moyen pour nous contacter. Pour Instagram, il s'affiche également en dessous, c'est cam-off-officiel. Si vous aimez notre marque de vêtements et si vous cherchez à les acheter, n'hésitez pas et ne cherchez plus, ils sont disponibles sur www.futuratech.com. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. C'est juste ici, là. Pardon, c'est là. Abonne-toi à la chaîne YouTube si la vidéo t'a plu. Comme ça, tu ne pourras rater aucune de nos vidéos. Pour tous ceux qui ne veulent pas s'abonner et pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, sachez qu'on sort une vidéo tous les mercredis à 18h. En ce qui me concerne, je veux vous laisser ici. Et sachez quand même que la base d'un couple, c'est la confiance. J'espère que vous serez au rendez-vous mercredi prochain à 18h. Essayez de nous rejoindre et j'en parle avec vous et je vous montre toutes les preuves. J'ai toutes les vidéos sur l'appareil photo, je vous montre tout. Et comme ça, on voit après et vous voyez ce que vous voulez faire, quoi. Ok, c'est bon, je vous vois. Il est là. C'est bon, regardez, je suis là. Ah ok, ça va, là de suite. Vous me voyez? Ouais, c'est bon. Les gars, garez-vous sur la droite là. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.